Le cerveau reptilien qui est là pour notre survie. Il nous fait réagir de façon instinctive quand on se sent en danger ou quand nos besoins profonds ne sont pas satisfaits. Il va provoquer trois types de comportements. Fuir, attaquer, c'est ce que fait Mila, ou rester sidéré. Le cerveau émotionnel qui nous permet d'éprouver toutes les émotions, joie, tristesse, peur, surprise, dégoût, ou comme Mila, de la colère. Et le cerveau supérieur qui contrôle le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien. C'est lui qui nous permet d'être raisonnable, de réévaluer une situation, prendre du recul. Or, avant 5 ans, l'enfant est en proie à des tempêtes émotionnelles insurmontables. Les connexions entre son cerveau supérieur et les deux autres cerveaux ne sont pas encore matures. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas contrôler seul ses émotions. C'est si bon quand ça se peut. J'essaie de mettre les mots justes sur l'émotion de l'enfant. Je lui explique tout simplement que je sais qu'elle a été en colère. Je vais d'abord la prendre dans mes bras. L'adulte, par son attitude empathique et bienveillante, va faire maturer le cerveau et progressivement permettre à l'enfant de mieux gérer ses émotions.